Hein? C'est la prod là. Ah ouais, mais ils attendent dans le noir dehors. Ah non, mais c'est pas cool. Ah, mais t'allumes les lumières, t'allumes les lumières. Déjà, on est à la bourre. Merde. Et normalement, c'est 15h, c'est pas 16h. Hein. Quoi? Ouais, bah ouais, bah ça m'énerve. Hein? Ils sont là? Ok. Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy? Bien ou bien? Comment ça va sur le campus de cette SA? Vous avez passé une bonne et une agréable journée? Tout va bien? Allez, rentrez. Rentrez. Oui. Amazing, one pushing toilet behind you. I think both behind you. Yeah, one low HP. Through. No, he's on the ground. Amazing, bro! Nitro set. Nitro set. Elle est parfaite, cette. Elle est parfaite. Il se tire à travers, là. Elle est parfaite. Who are you? Your best teammate. Remember it. Moi, tu joues pas à Roblox parce que j'ai du goût, je pense. Ouais, ça me paraît pas déconnant. C'est parce que je suis adulte. Non, je plaisante, j'y ai jamais joué. Non, ça peut être cool, hein, franchement. Moi, j'y joue. Non, faudrait que j'essaye un jour. Mais pff, parce que c'est pas ma spé, quoi. Moi, je suis FPS, FPS, FPS. C'est ça qui me fait kiffer. To infinity. Nope. Ça va péter. C'était pas le plus beau shoot, hein. Est-ce que t'aurais un conseil pour un nouveau clavier souris qui vient de console pour se mettre sur la bonne voie pour Rainbow Six? Aimlab, poulet. Et de la Terror Hunt. Aimlab, Terror Hunt, Aimlab, Terror Hunt. Jusqu'à ce que les mécaniques du jeu soient sues. Et après, en avant, quoi. Y'a pas de secret, hein. Faut jouer, 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 jouer. Ah, mais c'est vrai que c'est trop cool. Alors, vas-y, on va en mettre 12. Ah, ok, je l'ai pas eu. What do you think, guys? New meta. Down to 10 seconds. No! No, don't do that! 5 seconds. Le fils de... Stop 4 has located a bomb. Allez, mais nique ta mère. Si je meurs à cause de ça. Oh, pas mal. Bye, have a great time. Il a rushé. Oh non, j'ai cru à mon bait de ouf. Il va sauter. Ah, je savais pas s'il était allongé à gauche ou à droite, j'entendais mal. Ah. J'avais vraiment l'impression qu'il était à droite en fait, dans les... qu'il rampait dans les toilettes. Amazing, one pushing toilet behind you. I think both behind you. Yeah, one low HP. Through. No, he's on the ground. Amazing, bro! Good shit! Look at this! Look at this! Best kill cam, man! Est parfait.
Elle est parfaite cette ligne. Elle est parfaite. Il se tire à travers là. Elle est parfaite. Elle est parfaite parce que le mec va forcément regarder pour décaler. Il peut pas te voir. Tu mets un travers sur une ligne impossible à aller chercher. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Là, elle termine sur YouTube. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. En plus, ça permet de payer les esclaves. Enfin, les monteurs, pardon. Les monteurs. C'est là que la vidéo se termine. Du coup, t'as vu la vidéo qui présentait les nouveaux spécialistes, le poste de 8 pages sur les changements? Ouais, regarde Alrom, point d'exclamation Twitter, poulet. Il y a quand même des trucs un peu pétés, quoi. Il y a quand même une volonté, visiblement, de la part de Battlefield, de séduire une population jeune, avec des jeux, avec un truc assez accessible, quoi. Donc ça, ça fait un peu peur, que ça part de l'essence de Battlefield. En plus, est-ce que réellement, ils vont réussir à attirer une communauté à faire du code-like, sachant que le principal succès de Warzone, c'est sa gratuité. Donc, je sais pas, au final, parce que c'est rush, quoi. Le jeu va être rush, et puis connaissant EA, voilà. J'espère sincèrement que EA, que Battlefield gardera l'essence du Battlefield, mais en allant pomper sans problème certains éléments pour le rendre plus jeune, et en particulier moins de code mais plus d'Apex. Voilà quoi, je suis pas un fan d'Apex, mais je pense qu'il y a des choses à aller choper pour rendre le jeu dynamique et plaisant, et voilà. Ce qui te plaît nous plaît. Ah bah merci Louis. Ça fait très Apex les spécialistes en vrai, plus que code. Ouais, clairement, ouais. Ouais, clairement, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. 19h, ah ouais, BF2042, on peut faire du bien contenu sur, partout sur YouTube. Surtout sur YouTube, ouais, ouais, carrément. Le premier live, c'était un live de 15h d'affilée. Le deuxième était un live de 13h. Le troisième était un live de 11h. Et le dernier était un live de 19h. Sur une bêta qui a duré 5 jours. Plus les fois où je jouais tout seul. Et plus les deux jours avant, maintenant, je pense qu'on peut le dire. Où nous, on avait testé le jeu pour pouvoir sortir du contenu le jour J. Donc, ah non, non, non. Non, je suis transparent, hein. ça se voit sur ma gueule de toute façon, hein. J'arrive pas à faire comme certains youtubeurs, ils ont mon respect éternel, hein, franchement. Il y en a, ils ont mon respect éternel, hein. Je les citerai pas, mais ils ont mon respect putain d'éternel, hein. Ils jouent à des jeux de merde, ils sont payés pour jouer à des jeux de merde, ils savent que c'est des jeux de merde, c'est pas des jeux qui leur plaisent, mais ils arrivent à trouver un optimisme absolu qui transcende l'écran, quoi. Ah, c'est génial, c'est un super moment et tout, tu vois. Ils doivent couper le truc, tu vois. C'est de la merde. Et je fais putain, mais c'est ouf quoi. Ils ont un professionnalisme absolu. Moi je peux pas, c'est pas possible. Ça, ça se voit sur ma gueule tout de suite quoi. Je passe un bon moment, je passe un moment normal. Voilà quoi.